Bon matin. Il est présentement 4h11 AM. Puis là, je m'apprête à faire le reste de la vaisselle que j'avais à faire. Mais je vais vous raconter une story time en même temps. Je vous ai pas dit ça là à cause que comme ça arrivait genre dernière minute là. Je vais vous donner un OOTD pendant que mon nous coule. Cool. So, j'ai rien que mon petit sweatshirt de Aerie là à cause que j'ai l'impression que si mettons le contenu dans l'avion, genre va frire dessous. You know, I got this. J'ai ma petite bralette on, vous la verrez pas. J'ai mes leggings qui ont une tache de peinture dessus, mais c'est fine. Des chaussettes. Je vais mettre mes nouveaux kits que j'ai achetés, je vous ai montré déjà. Ma valise est ici là, j'ai décidé d'apporter Otis avec moi. Otis, c'est mon toutou cochon. Fun fact, il vient de Québec. Là, ok, fun fact de moi. Il faut que je mange à la seconde que je suis levée parce que j'ai trop faim là. Mais là, le problème est que j'ai rien à manger dans mon fridge. Puis j'ai aucune idée, comme vous cachez pas à quel point je suis comme tellement ignorante sur ce qui se passe dans les avions là. Mais j'ai aucune idée si que j'ai le droit d'apporter du Tim Hortons avec moi. Ben pas dans l'avion, mais comme genre à l'aéroport pendant que j'attends. J'ai aucune idée, mais là je me dis comme ok gars, je vais peut-être toffer le fait que j'ai extrêmement faim. Mais que j'arrive à mariage pour aller manger dans un petit café. Tu sais, au lieu d'aller dans mon team puis ça parce que je connais déjà ça là. Parce que l'affaire est que je vais être tout seul pendant genre une couple d'heures à Montréal. À cause que la personne que je suis supposée de rencontrer demeure à Montréal, obviously. C'est comme compliqué là, mais pas trop là. I guess c'est pas compliqué si je l'explique comme il faut là. Le gars que je rencontre à Montréal, il est venu par ici pour la fin de semaine parce qu'il y avait un mariage à ses amis. Puis comme, obviously, c'est ici que je l'ai rencontré parce que moi je suis ici là. Puis là, il m'a appelé l'autre jour là. Puis il était comme, ok, là j'ai des mauvaises nouvelles parce que j'ai des problèmes avec mon char depuis vendredi. Puis je sais pas si je pourrais arriver à temps à Montréal pour aller te chercher à l'aéroport parce que c'était ça mon plan. Parce que moi j'arrive à Montréal à 7h AM. Puis les deux pieds à Montréal là. Puis là j'étais comme, tu sais, je l'avais parlé des semaines avant, j'étais comme, ah oh, tu sais, je viens de faire sûr que mec j'arrive à Montréal, que tu vas venir me chercher à l'aéroport, tu sais, sinon comme je veux faire sûr d'avoir de l'argent de côté pour un taxi, puis non, non, non. Ça était comme, oui, je vais aller te chercher à l'aéroport, inquiète pas, ta ta ta. Mais là il m'appelle, puis il est comme, ok, là j'ai des problèmes avec mon char, faut que je l'amène au mécanicien, tu sais, avant d'aller à Montréal, parce que lui il a drivé à Montréal, au Nouveau-Brunswick là. Ça c'est quand même une coupe d'heure. Alors ici je le comprends totalement si qu'il voulait apporter son char au garage, parce que j'aurais fait la même chose. Vu qu'on était à la fin de semaine, il pouvait juste apporter son char lundi, hier. So, obviously, il a pas pu décoller hier, comme que c'était prévu pour qu'il soit là ce matin pour venir me chercher à l'aéroport. Fait que là, je paniquais même pas vraiment, là, parce que je sais qu'il y a toujours comme un... Il y a toujours un plan en tête, ce gars-là, là. En tout cas, fait que là, il était comme, garde, j'ai un ami qui va aller te chercher à l'aéroport. Mais Louise, il était comme, ah, oh, ben, gars, je vais envoyer mon ami te chercher à l'aéroport. Puis là, il m'a dit le char qui drive et tout ça. Puis il était comme, je vais t'envoyer son numéro. Il va t'apporter à mon appart. Et là, ça sonne un petit peu sketchy, là. Je me suis dit, garde, Vanessa, là, t'es une smart girl, là. Si tu veux que c'est trop suspect, là, cette affaire-là, comme, tu sais, viens, prends un taxi parce que. Je me suis dit, garde, au pire, je vais prendre un taxi pour y aller à son appart si c'est trop suspicious. Si que, tu sais, son ami peut me donner la clé. Puis si que, tu sais, ça marche vraiment pas du tout. Puis je suis dans un gros pétrin, ma garde. Je vais faire les villes de Montréal avec ma valise comme une lonely girl, pis that's what it's gonna be. Il m'envole à 6h40, pis faut que je sois là une heure et demie d'avance. Et quand je me réveille en même temps, j'avais un texte random, pis là c'était pour dire qu'il fallait que je fasse mon check-in à l'aéroport. Pis là j'ai fait ça sur mon application, sur l'internet, whatever, je sais pas que ça veut dire. J'ai mal partout, pis là je vais être assise dans l'avion pendant. Et je sonne dramatique, Chris m'envole l'avion, il est même pas 2h tournant. On se reverra, mais que ma face ressemble pas à ceci. Ben ma face va probablement ressembler à ceci de tout, parce que en tout de suite, pis bientôt, on s'entend qu'il y a pas grand chose qui va s'arriver pour que ma face ait de l'air meilleure. Mais mec, j'arrive à Montréal, vu que je vais être tout seul jusqu'à Assoyon. C'était vraiment pas mes plans là. Sachez que c'était vraiment pas mes plans là. J'avais des plans bien plus meilleurs que ça. Mais comme je le trust qu'il va me donner sa clé, ben à gauche, je trust pas son ami parce que je connais pas son ami. Mais je trust le gars que je vais voir qui va me donner sa clé parce que quand il vivait par ici, il me donnait sa clé de temps en temps pour que j'y allais chez eux. Puis quand il était pas là, fait que je vais juste vous informer au cas où que ceci est la dernière chose que vous voyez du vlog. Mais obviously, si que je suis gone, comme gone, vous verrez pas ce site parce que je suis pas en train d'éditer ce site clairement là. En tout cas, ça c'est 4 AM thoughts là. Who knew? Anyway, je vais vous montrer mon gâteau. Regardez, j'ai fait tout ce gros gâteau là. Puis je suis une seule et unique personne qui a pas d'amis. So, j'ai rien pu manger cette partie là de gâteau. Puis là, il va falloir que je jette le reste. Fait qu'on se verra à l'aéroport, mes amis. Merci beaucoup. D'environ 10 minutes, 15 degrés Celsius et nuageux. On vous remercie d'avoir choisi Air Canada Vaux ce matin, une belle envolée avec nous. Cabin crew, please prepare for departure and cross check.
Nous allons bientôt décoller. Ok, j'ai trouvé mon premier papa et que l'ami du gars que j'ai venu voir, je le trouve pas. Comme il m'a appelé, il m'a texté, puis là il m'a dit qu'il est à zone B, ben moi je suis à zone B là. Et ben là je suis à zone C là. Comme je sais pas s'il y a comme plusieurs entrées ou que c'est comme la seule section, tu sais là. Mais il fait frais là, puis je suis vraiment contente. Mais regarde, je suis à la zone B là. Je sais pas, je l'ai texté là, je vous laisse des nouvelles si je me fais kidnapper. I'm scared. Bienvenue à Montréal. Je suis arrivée à Montréal. Je suis debout sur le sofa. Je suis présentement accompagnée de quelqu'un que je connais pas. Il est présentement dans la porte. Il y a des se laver. Damn, I'm scared. I'm not scared. Mais comme. Oh. Oh. Je suis en train de découvrir des choses dans le sofa. C'est que là, je suis présentement avec l'ami du gars que j'ai venu visiter. Parce que le gars que j'ai venu visiter est pas là. Anyways, son ami est grand, c'est la ville, mais comme je sais pas si il va rester ici longtemps, parce que je vais ouvrir un hall de là-bas. Mais c'est ça, il m'a fait être déjeuner là. Donc, je sais pas ce qu'ils ont plan, parce que j'ai comme peur de sortir tout seul. Ok, ce jour, je vais vous raconter un petit peu ma journée là parce que c'était un peu passé comme prévu. J'ai arrivé à Montréal à 7h AM, heure de Montréal. Comme je vous ai raconté là, c'était l'ami du gars que je venais voir qui a venu me chercher à l'aéroport. Ben premièrement, j'ai eu de la misère à le trouver là. Puis deuxièmement, j'étais pas au courant qu'il habitait ici temporairement. Il sort du char, tu sais, il prend ma valise puis ça, tu sais, vraiment gentil lui là. Il apporte mes choses à l'appart. Ben moi je pensais comme tu sais, il allait apporter mes choses à l'appart, me donner la clé, me dire comme tu sais, bonne journée, nanana. Non, non. Il est presque... Allô? Ok, pour continuer mon histoire. Chris, je suis pisse là, ok, à cause que, comme je disais, je savais pas que lui, son ami, restait ici. I'm scared. Je suis tout seule à Montréal dans l'appart d'une personne que je connais pas.
Yami! Ouais, je connais la personne que j'ai venue visiter. Je connais pas son ami qui était avec moi toute la fucking journée. Anyway, ce gars, il s'est venu me chercher à l'aéroport. Un inconnu, comme 100% un inconnu. L'ami d'un gars que je connais à peine. Il vient me chercher à l'aéroport, il m'amène ici, puis moi je pensais qu'il allait s'en aller. Ben non, aussitôt qu'il ouvre la porte, comme tu sais, en jasé pis tout ça. Puis il est en train de me dire que, ouais, je reste ici pour un petit bout parce que, nanana. Puis j'étais comme. What? So, il habite ici parce qu'il a pas encore trouvé d'appart. Mais là, il a dit comme, ah, tu sais, la semaine que t'es ici, je vais aller chez quelqu'un d'autre, tu sais, pour que tu puisses rester ici, tout ça, revenu. J'étais comme, ok, merci. Mais je savais pas qu'elle a passé de 7h AM jusqu'à 4h30 PM ici avec moi. Comme au début, c'était correct, là, tu sais, je m'arrêtais pas, mais comme je pensais qu'elle s'en allait à un moment donné dans la journée, mais non. Puis là, genre, le gars que j'ai venu visiter, il va arriver comme vraiment bientôt, là, comme probablement dans 30 minutes, là. So, comme j'ai eu aucun temps dans moi-même, parce que, tu sais, obviously, c'était pas ça comme qui était le plan initial, mais là, je m'avais dit comme, oh, ça va être nice, comme, tu sais, je vais arriver à 7h à Montréal, je vais être tout seul, tu sais, comme, je pourrais, comme, peut-être aller prendre une petite marche à quelque part, tu sais, comme, juste explorer les lieux tout seul. Mais non, j'ai pas pu faire ça. Puis, obviously, j'aurais pu sortir tout seul, là. Mais comme, je sais pas, on dirait que c'était weird. So, j'ai resté ici pendant toute la journée, on a été prendre une petite marche, là, tout à l'heure, là. Puis, après ça, on a été chercher une pizza, mais comme, on a fait rien. Puis là, je suis un petit peu mal à cause que, comme, je suis comme si j'ai gaspillé une journée. Mais comme, tu sais, c'était pas planifié que le gars que je venais voir était répéter ça toute la journée là. Puis là maintenant je suis vraiment fatiguée parce que je me suis réveillée à comme 3h30 du matin, hein, puis j'ai eu vraiment de la misère à dormir. Comme j'étais supposée de me réveiller à 4h AM, puis là genre à 3h30 j'étais réveillée, puis après ça je pouvais comme plus dormir là pendant les 30 minutes qui me restaient. J'ai eu vraiment de la misère. J'ai essayé de prendre une sieste, mais genre comment est-ce que tu peux prendre une sieste à l'aise avec quelqu'un que tu connais pas dans n'importe là. Comme j'étais comme j'ai ouvert un petit tour de l'appart à cause que ça a l'air pas si pire sur la caméra là, mais comme littéralement tous les murs sont en popcorn là, comme avec les petits, comme de même là. C'est infesté d'araignées, puis c'est vieux. Comme il m'a dit que c'était comme construit en 1800 ou en 1900 de quoi là. Mais non, yes, je vais pas me plaindre là, parce que littéralement je vis ici pendant une semaine gratuitement. Soit c'est qui peut juste tuer toutes les araignées vivantes, je vais être correct. Ah oui, puis j'ai dû mentionner que j'ai envie de chier puis pisser vraiment bad, puis y'a pas de papier de toilette. Fait que ça, c'est la porte d'entrée. Ça, c'est un petit garde-robe avec plein de chaussures. Il est comme legit addicté aux chaussures. Le salon avec un grand miroir. Ça, c'est un livre que j'ai trouvé aujourd'hui que j'ai toujours voulu lire. Puis là, je l'ai commencé, puis je vais essayer de le convaincre qu'il me le prête pour apporter avec moi un nouveau Brunswick. C'est quand même pas pire parce que c'est des grandes vitres là pour un apport en sous-sol. Ça, c'est nice. Ça, c'est ma chaise que je lui ai vendue à cause que je l'aimais plus là. Et ici, on a la toilette qui a pas de papier de toilette comme je viens juste de mentionner. Ça, la petite vanité avec un petit miroir. Toilette. Ah! Oh, attends! Ah! De you ce que ça sort? What? Ça doit être ton ami qui a sorti ça, mais je sais pas de you. Ok. Well, good to know. Ça, c'est legit la plus petite cuisine du monde. Des autres vitres. Ah, tout à l'heure, j'ai vu deux écureuils se courir après, là. C'était vraiment nice. Le layout de la porte, là, je suis pas trop fan. Et ce côté-ci, on a la chambre. Petit hall d'un appart de gars. Sur ce, on se dit à tantôt quand il y aura des choses habitantes qui se passent. Parce que jusqu'à date, j'ai fait rien. Allô, je viens vous faire un update. On est présentement, ben, obviously, je suis solo là, mais on est présentement en route pour Yoikolis. Aller chercher de l'alcool ou je sais pas. Moi, je bois pas là parce que je suis legit tellement fatiguée que je suis comme si je suis seule là. Comme, oh my god. J'ai tout mal là, là, comme mal à la tête là. Littéralement, c'est ça mes updates. Il n'y a aucun autre update. J'ai écouté la TV, slash, fermé mes yeux, slash, écouté la TV pendant peut-être comme 30 minutes, là. C'est tous mes updates. On se parlera demain parce que je suis pas mal fatiguée, là. Puis je pense pas qu'on fait grand-chose à ce moment-là. Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know. Ok, so je vais goûter des croquettes. Je sais pas c'est quoi. Il y a du farine de blé enrichi, pour d'accord, sucre, œuf entier, bicarbonate de sodium, substance laitière. C'est tout ce que je sais. T'es dur à mon. I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. My friends say, get out of your comfort zone, it's a blessing in disguise. Get out of what you call home, your name is written in the sky. It might feel just like you're on your own. Baby, it's not the lie. Remember you want
for me. I try to work, 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 but it doesn't work. I try to say something, but there's a word. I try to justify my actions, less reactions. Je suis allée du dernier de ma vie, puis je suis vraiment pisse quand un jeudi là. Mais je suis vraiment pisse, ok, parce que je sais pas ce que mon téléphone a derrière moi, mais quand ce que je mets une alarme, ça sonne pas, puis ça vibre pas. Et quand ce que j'arrive à mon cell, c'est écrit alarme, puis là, faut que je le mette off, mais comme il y a pas de bruit, puis il y a pas de vibration, puis rien. Puis ça me tente parce que j'ai peur que, mec, je vais à la job, ça va faire la même affaire, puis je comprends pas, comme il y a une chanson qui est supposée de jouer, comme Enemies. Fait que je vais me lever à 9, puis là, il est 10, puis là, ça me tente là. Puis ça m'est arrivé le jour avant que j'ai pris l'avion pour venir ici. Le soir avant, j'ai mis mon alarme, puis j'avais vraiment peur que ça sonnait pas pour prendre l'avion là. So, j'ai mis une alarme sur le fourneau là. Mais la femme en sait la sonner. Fait que je sais pas ce qui se passe, puis c'est pas le fourneau. Aujourd'hui, ben hier. Sorry là, mais je suis là. Hier, on a fait pas grand chose parce que je sais pas, là, il fallait qu'il va faire de quoi pour ses amis. Plus ça a pris comme tellement plus de temps que prévu là. So, on a rien qui était marché au Mont-Royal. On a marché comme ce qui était tout comme les petits magasins. Puis ça, parce que c'était comme une lignée de rue qui est fermée pour les choses et ouvert au public là. À ceux qui marchent là. Puis on a aussi été là-bas en haut. Je sais pas ce que c'était là. Mais c'était en haut, puis on pouvait voir comme toute la ville là. Puis c'était vraiment nice. J'ai vu la ronde, puis j'étais comme. Puis je vais essayer d'y aller, mais comme le seul jour qu'on peut y aller, c'est samedi, puis je sais pas si quand. So, c'est ça, là, aujourd'hui, les plans sont supposés d'être marcher downtown, puis aller au mall. Puis je me souviens pas quoi d'autre. Il me semble qu'il a dit qu'il y avait de quoi d'autre. Mais moi aussi, j'ai une liste, là. Enfin, je regarde ma liste, puis je check les affaires qu'on pourrait faire, là, parce que il y a une place. La seule place que je vais y aller, c'est un magasin de chocolat, parce que je sais qu'il y a le chocolat, puis je fais qu'on va. Ça serait le fun. On a été à l'épicerie hier un petit peu, on a pas cherché grand chose, là. Je vais me faire peut-être de quoi manger. Parce que hier, je voulais avoir un croissant qui est comme un bon croissant, comme tu sais, d'une pâtisserie toute feuilletée, miam, là. J'ai été à une pâtisserie, j'ai choisi un croissant normal, comme il y a un croissant plein, là. J'arrive dans le char, ça m'a coûté 3,50 ou je sais pas trop. J'arrive dans le champ, ça goûtait pareil comme un croissant du Tim Hortons. J'étais vraiment mal après moi-même parce que j'aurais dû prendre un autre sorte de croissant comme un croissant aux amandes, puis ça parce qu'ils avaient l'air plus feuilletés pis ça là. Puis ce temps-là, j'arrête pas de penser que je veux un vrai croissant feuilleté d'une pâtisserie. Puis c'est pas ça que j'ai reçu. Je vais me préparer parce que là, je suis tout ça. Puis je vais faire comme mes cheveux, je les ai lavés hier là, mais. Oh my god, la pâtisserie là est infestée d'araignées là. C'est littéralement ridicule, comme il y avait une grosse géante araignée hier. Proche de la TV, puis j'étais tout seul, là, comme il était en train de faire de quoi avec ses amis, là. Je l'ai spoté, puis là, j'étais comme, ok, mec, il rentre, je lui dis, ok, il y a une araignée proche de la TV. Et là, nous, on check, puis ça, puis on la trouvait pas. Je vais-tu pas aux toilettes, là? Puis j'assume que c'est la même, parce qu'elle était pas mal autant grosse. Elle était là dans le plafond, puis les plafonds, ils sont hauts, là. Là, il y avait un eau dans le coin, une petite. Puis là, il y avait un eau dans la chambre, comme. Tant qu'ils viennent pas proche de moi, it's fine. D'accord, je suis là, ouais. Je suis tellement fatiguée, là. Ça, c'est mon nouveau chandail, j'ai du garage. Aujourd'hui, je vais aller au Zara pis au Aritzia parce que I just want to. Y'a pas ça. Y'a ce que je reste. Je pense qu'il y a aucun Aritzia ni Zara dans tout le Nouveau-Brunswick. On se verra, mais que je vais downtown pis je suis toute cute. Je sais pas si je vais être cute, mais. Yolo. Bonjour, bienvenue à mon schneck et chocolatine haul. Si vous savez pas qu'est-ce qu'un schneck, je vais vous montrer à l'instant. Non, en réalité, je vous montre mon chocolatine. Chocolatine. De Aphrodite, la place que j'étais hier, change mon croissant. Et ça, c'est un schneck. La première fois, j'ai goûté ça. Oh, c'est pas le même. Pas le même que je pensais qu'il allait prendre. Mais j'ai pas demandé pour avoir ça. Il m'a rien comporté ça, là. Voici mon haul. Ça, c'est des raisins. Ça s'appelle un schneck. Pas sûr comment on dit ça. Je suis pas sûr comment on écrit ça. Mais on va goûter à l'instant. Mais il y a l'air comme huileux. Puis. Mais je suis bien contente d'avoir de quoi manger, là, parce que. Yummy, ma tummy. Yeah. En ce moment, juste pour vous informer, on fait du DoorDash. Puis là, il arrive avec un sac du team. On va y aller. Livrer ça. Et après, on retourne dans l'appart, je me change. Et après, on va dans le fond. I won't make it easy for you now. You got 2 minutes of my time. And I don't really break too easily. But I'm worth it. I'll slip into your dreams tonight. Oh, so give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me break in. You're falling into me, touch me, I swear. You would do anything that I want. So keep us awake till the
haul de ce que j'ai acheté au mall. J'ai été au Aritzia, j'ai été au Zara, qui en a aussi été acheté des pretzels. Moi j'ai déjà mangé le mien là, c'était sucre et cannelle, c'était vraiment bon. Donc au Zara j'ai pris ces linges là, puis j'ai juste trouvé deux choses. C'était 37,72. Oh non, il y a du sucre là, et du sucre. Chandail numéro 1. C'est comme un genre de violet gris, je sais pas trop là. C'est la couleur là. Juste un petit basic chandail comme ça. Crop, of course. 12,90, j'ai pris size large parce que je les ai pas essayé là, puis ça a l'air pas mal petit, donc j'ai pris large, je suis sûre que ça file. Puis l'autre, c'était 19,90, large aussi. Bleu, il y a de l'air vert là, mais. Crop aussi, of course. Manche longue, juste vraiment simple. Oh, Aritzia. C'était vraiment cher, puis je suis pas sûre que je vais garder le tank top là, mais c'est venu à 156,37 pour deux articles. Tu vois la différence? Je l'ai mis dans un beau petit sachet là. Ben j'ai déjà un chandail comme ça là, la marque Babaton là. C'est aussi la marque Babaton, c'est avec un petit tank top brun là. J'ai pris large aussi, je l'ai essayé là, puis c'est le Sculpt Knit Square Neck Saville. Large, 58$. Le même style avec les lignes là. Babaton aussi là, j'imagine, ouais. 16 medium par exemple. Puis lui, il était un petit peu serré, mais comme... Je fais comme si je l'aurais pris plus grand, il aurait été trop large parce qu'il est comme ouvert en haut là. C'est le Sculpt Knit Grey Neck Matte Pearl. Medium, 78$. Souillé comme ça. Crop. Manche longue. Puis en arrière, c'est comme un petit peu plus descendu là. Aujourd'hui, on a été marcher comme beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comme je sais pas comment pas que j'ai pris, mais je vais checker puis je vais vous indiquer les pas que j'ai pris aujourd'hui. Parce que c'était vraiment beaucoup. Hier, j'ai pris 6800 pas. Sous là, on va juste relaxer le reste de la soirée. Puis demain, peut-être que demain, on va aller faire de la bicyclette. Je suis pas certaine. Oh, j'ai pris le métro aussi aujourd'hui là. C'était vraiment intense là. Je sais que j'ai pas filmé tout là, mais comme pendant le métro, c'était comme un petit peu, you know, focus time. So. There's a party in the streets, and the city's on fire.